Bienvenue dans une nouvelle vidéo astuces bon plan. Aujourd'hui c'est un bon plan solde où je vous donne 5 astuces et bons plans pour les soldes. C'est parti. Donc comme chaque année il y a les soldes qui reviennent assez souvent et je vais vous donner quelques astuces pour économiser encore plus. Donc tout d'abord on va regarder l'état des stocks de nos placards. Parce que avant d'acheter encore et encore parce que c'est les soldes et tout le monde aime les soldes, on regarde si on a besoin d'acheter un Xème pull ou un Xème pantalon. Parce que des promos, des soldes, des ventes privées, le Black Friday, la Saint-Valentin, Noël, il y aura toujours une raison pour avoir des promos tout au long de l'année. Donc autant acheter au bon moment et anticiper. Donc vous pouvez prendre la taille au-dessus pour vos enfants mais pas les chaussures parce qu'on ne sait jamais si en été ils auront besoin de cette taille-là ou pas. Mais anticiper sur les vêtements. Deuxième astuce, on fait de la place dans nos placards. Parce que un vêtement qui rentre, c'est un vêtement qui sort. Sinon, les placards, ils débordent et on ne s'y retrouve plus. Donc, soit on vend, si c'est encore en bon état. Soit on donne, soit on jette pour faire de la place. Mais on trouve une solution. On se fait une liste pour acheter n'importe quoi, pour ne pas acheter n'importe quoi et exploser son compte bancaire. Donc, fixez-vous un budget à ne pas dépasser. Pour rester raisonnable et le respecter. Troisième astuce, on pense au site de cashback. Dès qu'on achète quelque chose en magasin ou sur internet, quel que soit l'achat, il faut avoir le réflexe de penser au cashback pour récupérer des sous sur tous nos achats. Donc il y a plein de sites de cashback. Moi je vous conseille ces trois sites principaux, donc il y a iGraal, eBeeClub et Poulpeo. Et je vous conseille de vous inscrire aux trois car ils font tous une concurrence acharnée et les offres varient beaucoup d'un jour à l'autre. Donc pensez à regarder quand vous faites votre achat, quel site propose le meilleur cashback au moment. Donc moi je vous ai fait un tableau ici pour vous montrer les différents sites qui proposent avec les différentes enseignes. Alors il n'y a pas tout, il y a les principales et ça vous marque, donc j'ai mis en vert celle où le cashback était le plus intéressant. Alors pareil, pensez, je l'ai fait aujourd'hui, mais pensez peut-être que vous, quand vous allez faire votre achat, le pourcentage aura peut-être varié, d'accord? Donc vous voyez que, bon, c'est principalement Boursorama qui gagne la palme. Il y a aussi eBeeClub, iGraal et Poulpeo et Place des Cartes. Alors Place des Cartes, c'est pas un site de cashback, c'est un site où vous pouvez acheter des cartes cadeaux moins chères. Ça dépend des enseignes, il faut regarder. Donc là, je vous laisserai, vous pourrez mettre pause hein, pour regarder si ça vous intéresse. Il y a deux pages de tableau. Mais je vous ai pas, encore une fois, je ne vous ai pas tout mis, donc ça dépend vraiment de ce que vous faites. Mais vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Et ça dépend ce que vous achetez. Il y a même pour les gamers, le site Nintendo Shop avec Boursorama, vous avez 8%. Donc c'est vraiment très intéressant, suivant ce que vous faites comme achat. Vous voyez, si vous faites des achats chez Yves Rocher, il y a 10% Boursorama, 12% eBeeClub, 12% iGraal et 12,5% Poulpeo. Donc là, ce sera Poulpeo qui sera le plus intéressant. Si vous faites vos achats, même Truffaut, vous pouvez gagner récupérer de l'argent sur vos achats. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Verbaudet, enfin tous les magasins sont là. Je vais vous montrer un exemple avec Asos. Alors moi je ne connais pas ce magasin, mais j'ai vu qu'il faisait des grosses promos, surtout aujourd'hui au début de solde. Vous avez avec Boursorama 7%, avec eBeeClub 20%, plus 2% en achetant avec des bons d'achat, on va y revenir. 20% chez iGraal et 15% chez Poulpeo et 5% chez Place des Cartes. Donc là, clairement, ce sera eBeeClub qui sera le plus intéressant. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, on se retrouve sur le site eBeeClub. Bon, là, il s'affiche direct, mais si vous devez chercher, vous tapez dans la barre de recherche ici le magasin ou l'enseigne que vous cherchez et vous arrivez sur la page. Donc ici, qu'on voit avec eBeeClub, qu'il y a donc 20% remboursé sur vos achats en ligne, plus 2% si vous achetez avec, si vous payez avec un bon d'achat. On va regarder sur iGraal. iGraal, donc c'est le même principe, hein, soit vous cherchez ici dans la barre de recherche, soit il s'affiche directement. Vous voyez, donc le cashback est en hausse, on a 20% chez Asos. Ensuite, chez Poulpeo, ici, propose, il y a un code promo de 50% et vous avez 15% de remise. Et chez Place des Cartes, il vous propose 5%. Et enfin, chez Boursorama, vous voyez, il y a 7%. Mais vous voyez, il y a vraiment plein d'autres enseignes, donc chacun voit comme il peut, suivant ses habitudes d'achat. Mais vraiment, je vous conseille de regarder le tableau pour regarder les différents sites quand vous faites vos achats pour faire plein d'économies.
Ensuite, je vous conseille de payer avec les bons d'achat. Donc, ce sont des cartes cadeaux que l'on paye moins cher pour faire baisser la facture. Donc, il y a principalement chez Boursorama ou chez eBiClub. Donc, comme je vous disais, Boursorama, vous avez vraiment beaucoup d'enseignes, même Amazon. D'ailleurs, c'est le seul site qui propose des bons d'achat Amazon pour payer moins cher. Même les promos Amazon, vous pouvez payer avec, en fait. C'est comme si vous payiez avec une carte cadeau. Vous l'achetez simplement via le site Boursorama The Corner. Voilà. Donc vraiment c'est hyper simple et vraiment ça permet de faire des grosses grosses économies. Enfin, dernière astuce, avant de payer, on réfléchit. Posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que très souvent sur le moment on en a très envie, mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir ou le porter? Ça c'est la vraie question. Personnellement j'ai déjà acheté une montre à moins 70%, donc pas cher du tout, mais je ne l'ai mise qu'une seule fois, donc ça ne sert à rien. Donc achetez parce que c'est pas cher, ça reste un achat et des sous en moins pour votre budget, donc réfléchissez-y. Voilà, j'espère que ces 5 astuces bon plan vont vous aider de bien réfléchir et de faire des bonnes soldes. N'hésitez pas à aller voir mes liens de parrainage en commentaire, aussi bien pour Igral, Poulpeo, Boursorama ou eBiClub. Pensez à liker la vidéo, ça me permet de voir de la visibilité, ça me fait plaisir. Je remarque que vous voyez les vidéos que je fais. N'hésitez pas à vous abonner pour les recevoir toutes et n'en manquer aucune. Et je vous dis à bientôt.